Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos et de liker, bien sûr, de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour profiter des bonnes astuces et de la technique. Donc, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, on va faire un gâteau de salade de courgettes. Franchement, c'est une tuerie. Et puis voilà, franchement, ça change de ce qu'on mange habituellement. Donc voilà, les ingrédients sont toujours en début de vidéo et il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, c'est juste des courgettes, poivrons et mozzarella, tomates pour la déco, etc. Donc il y a juste à râper les courgettes, mettre l'assaisonnement que vous avez dans la vidéo. Et bien sûr, pour le fromage, ça peut être le fromage. Dans ce fromage-là, Schmong, c'est un fromage allemand. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser les petits Suisses parce que le but, c'est que le fromage soit bien épais, qui est pas d'eau, en fait, qu'il ne soit pas liquide pour pouvoir ranger la courgette. Donc voilà, c'est juste à cette étape-là qu'il faut, je veux dire qu'il faut faire attention, mais après pour le reste, voilà, ça va bien. Et pour le papier film, pour le moule, on peut utiliser un emporte-pièce pour faire des petites, ou bien, mais il faut mettre le papier film autour, fermez-le vers l'extérieur, comme ça, les courgettes, ça s'accroche pas au moule à l'intérieur, et comme ça permet d'avoir une belle forme bien nette et précise. Donc bien sûr, les poivrons aussi à couper aussi en tout petit, à intégrer. Mais sûr, j'insiste sur le fait est que il faut bien laisser égoutter, même quitte à ce que vous égouttez avec vos mains pour enlever le jus. Parce qu'après, pour la suite, tu vas avoir du jus, comme vous le voyez là au fond. Voilà, donc, mais c'est pas grave. Donc, vous montez le gâteau. Là, on va couper les avocats. C'était une petite promo au grand frais. Franchement, ils sont pas bons du tout. Bah, c'est pour ça qu'ils les ont mis en promotion. Donc, voilà. Donc, mais je les ai quand même. Je vais pas les jeter. Hein, je vais quand même en faire un jus. Donc, voilà. Il y a des petites taches noires là, je sais pas c'est ce que c'est, donc c'est pas grave, mais bon, vous n'avez pas acheté les mêmes avocats, j'espère bien. Donc la mozzarella autour coupée en deux, vous faites la déco que vous voulez, franchement. Et puis ça, c'est pas des olives, hein, ce sont des raisins. Franchement, pour l'assaisonnement, vous pouvez mettre sucré ou salé. Il y en a qui n'aiment pas sucré salé, donc vous choisissez l'un ou l'autre, c'est très bon. Dans les deux cas. Donc là, j'ai mis mon gâteau au frigo pendant 1 heure à peu près, et après je l'ai sorti, j'ai essoré avec l'essuie-tout le contour, et ça c'est le résultat. Donc c'était le résultat de ma vidéo du gâteau de salade de courgettes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.